Sans un plat, venez. Bonjour. Saïman. Bonjour. Le plat du soya. Le plat de quoi? Bon, ça c'est le plat qu'on sort, le couscous, le riz. Ah. Et par jour, tu peux donc vendre combien? Tu peux avoir un bénéfice combien? Ça dépend, hein, mon père. C'est parce qu'il y a des jours que je sors comme ça, je ne vends rien. Mais... Et les jours que je vends aussi pour avoir ma femme de 2000-2500. Donc comme aujourd'hui, là, tu ne devais rien vendre. Non. Non, tu as dit qu'il y a des jours où tu ne vends rien. Des gens considérant que voilà un jour, l'un des jours. C'est possible que tu ne vends rien. Non. Vous savez que ça dépend des jours du marché. Je me suis dit, papa. Ça dépend des jours du marché. Tu habites quel quartier? Bon, je suis à Brazzaville. À Brazzaville. D'accord. Donc tu fais le tour de Douala comme ça. Oui, papa. Tu achètes au marché, bon. Oui, papa. Mais est-ce que si tu ne peux pas faire mieux que ça, parce que ça, c'est la débrouillardise. Parce que. C'est que, mon père, dans la vie, si tu restes vraiment sur place, tu ne dois pas avoir. Au lieu d'avoir zéro, il faut avoir un. Hein? J'ai mal parlé, monsieur. Non. Voilà. Et non, il y a trop les comiques au Cameroun. Les autres gens qui ont resté sur place, eux cherchent à voler. Eux cherchent à. Eux cherchent à arracher les sacs. Et que. Ce n'est pas bon. Tu habites chez qui à Dakar? Bon, je suis dans la maison familiale. Et mon père ne vit plus. Et ma mère aussi ne vit plus. Ta mère à quel âge? Ma mère, en courant. Ta mère? Oui. N'atteignait même pas 50 ans. Non, je veux dire, tu as ton père. Senti. Ton père ne vit plus. Oui, même ma mère. Même ta mère? Oui. Ah, d'accord. Donc tu es orphelin de père et de mère. Oui. Et tu as des soeurs, des frères? Oui, moi, Simon. Et les frères et mères, ils m'en donnent pas sur eux. Mais parce que même eux-mêmes aussi ont aussi les enfants. Hein? Ok. Bon, moi-même, chacun se débrouille. C'est parce que je ne dois pas avoir mes problèmes. Je cours auprès d'eux. Oui. Parce que même eux-mêmes aussi ont aussi des enfants, non? C'est vrai. Voilà. Bon, si tu as un frère comme moi, ce qui est sûr, tu dois venir me voir. Je veux te voir. Voilà. Mais si, à part si tu es aussi jongle encore. Voilà. Mais si tu as un frère bien placé, c'est une obligation qui te vient en aide. Parce que quand tu as les moyens, tu dois aider tes frères. Oui, tu dois les positionner. Tu vois pas? Maintenant, l'Ocana. Est-ce que parmi tes frères et tes soeurs, il n'y en a pas qui sont bien placés. Il n'y a personne de. Personne, hein? Oui, il y a personne. Tout se cherche encore. Tu dois te débrouiller. Oui. Tu achètes comme ça au marché Mbopi à 50 pour vendre dans tout Douala à 100 francs. Bravo. C'est moi d'abord ça. Oui. Tu es un garçon. Je vais te dire que c'est Dieu qui t'a fait passer par ici aujourd'hui. Merci, papa. Tu me connais? Non, papa. Hein? Non. Tu me connais pas? Non. Tu regardes la télé ou pas? Hé, hey, attends. T'es longueur. Et tu fais comme ça? Oui, vous le. Quand je suis comme ça avec le libérateur. C'est ça, c'est Dieu qui a fait ça. Je dis pas ça. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne le téléphone. C'est Dieu qui donne mon petit. Le mot téléphone. Non, bon moi j'avais le téléphone. C'est que les choses restent parfois, ça se gâte. Ouais. Il faut. Tu as le téléphone, tu n'as pas. Les choses restent parfois, ça se gâte. C'est gâté. Non, tu n'as pas. Tu n'as pas le téléphone. J'ai le téléphone, papa. Mais c'est gâté. Et si on t'appelle, ça va il passer. Faut... Non. Je suis ici là constamment au marché Mbopi ici là. Ouais. Oui. Bon, si tu veux me voir, je suis ici là, tous les matins. Bon. C'est toi qui dois me chercher maintenant. Oui, papa. Oui. Hein? Oui.
Parce que les gens qui nous regardent là, sache qu'on nous regarde aux États-Unis, oui. au Canada. Oui. On nous regarde aux États-Unis, au Canada, à Londres, en Suisse. On nous regarde partout. Et les gens, je sais que ton histoire commence déjà à toucher les gens. Parce que comme je dis, moi je ne choisis pas les gens pour aider. C'est Dieu qui envoie. Non. Tant nana, je marchais, j'ai croisé tant nana. Et tu prends. J'ai braqué la caméra sur elle. Parce que après, quand les gens vont voir qu'on t'aide, les gens vont commencer à m'appeler, aide-moi aussi, j'ai tel problème, je suis malade depuis maintenant. Moi, je n'aide pas comme ça. J'aide que Dieu, comme ce matin, je suis sorti là, je m'avais fait mes courses. Hein? Pendant que je fais mon direct, j'entends 500 francs le plat, 500 francs le plat. Je dis que c'est encore qui veut perturber mon direct. Alors que c'est un enfant de Dieu. Tu t'appelles comment? Mon nom c'est Fosso Clovis. Fosso Clovis. Oui, c'est Fosso Clovis. Fosso Clovis. Bravo Fosso. Monsieur Fosso. Fosso Clovis. C'est Mais bon. tu as le look d'un artiste, hein? Chombe. Oui, c'est que moi-même, j'ai dansé aussi dans un club. Ah bon? Moulam Changa, Boubankani. Ah Boubankani. Ah, ah, oui, il est même beau. Il est ici au pont de l'enchisseur là. Je connais bien, je connais bien. Je crois qu'il a même sorti avant moi. Hein. Oui. Avant. C'était en quelle année? Non, c'était avant. Mais il a sorti ça depuis. Oui. Depuis. Oh, j'ai beaucoup aimé la chanson là. Hein. Donc tu as dansé dedans, oui. Je vois les Abinos, non. Qui danse? Même mes soeurs sont dedans. Donc tu es un grand danseur. Oui. Et les soeurs Abinos. Je dis, tu es un grand danseur. Oui, papa. Tu en mets le morceau là, tu vas gâter le coin. Oui. Tu es sûr? Oui, papa. Bon, même sa musique, fais un peu une petite démonstration. Oso. Oui, papa. Vous n'êtes pas sur le réveil, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Je vais te prendre encore ce soir ou demain. Comme tu as dit que tu es danseur, voilà que tu danses le monde à te voir. Oui, papa. Donc tu n'as pas de téléphone pour le moment. Oui. Donc on va t'acheter un téléphone. Parce qu'on doit te joindre partout. Hein? Oui, mon père. Bon. Tout ça, c'est combien? Bon, moi. En tout cas. J'ai payé ça à 5 000 francs. Tout ça, on fait. 5 000. Bon, voilà 10 000. Oui, d'accord. Pour ton courage, parce que tu pouvais aller voler, tu pouvais aller boire l'alcool, tu pouvais boire le fofo comme le type là. Oui, toi non oui, mais tu n'as pas fait tout ça. C'est l'homme. Tu as dit tu achètes comme ça, tu m'as dans toute la vie. Demain quand tu as devenu millionnaire, on va dire que c'est le femme là. C'est ça. Voilà 10 000, prends ça. Mais tu descends la terre. On se voit ici ce soir ou demain. Hein? C'est bien sûr que quelqu'un va déjà agir. On va t'acheter. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants. Là on était sur Longueur TV. Bienvenue à la clinique. Ça c'est l'ambassadeur des causes sociales. On dit que chaque personne a son gars sûr. Il y a, même si c'est pas de quoi, ce gars qu'on appelle Longkana, c'est mon gars, si. Ça dit que tu as les dégagements, c'est mon gars, si. Vous voyez dans cette capsule de Longueur, pourquoi je suis content de la diffuser? C'est que le petit paraît drôle, mais il est l'exemple même de la résilience. Ça dit que, si quelqu'un dit que les Camerounais ne se battent pas pour vivre, s'ils ne disent pas que les Camerounais sont capables de faire n'importe quoi pour vivre, que ce ne sont pas, ce sont pas les feignants qui dorment. Voilà un petit, le gars vend les assiettes 50. Il vend ça à 100 francs. Ce n'est pas le prix et tout ça qui est important. C'est le fait qu'il vous dise même que non. Il a même ses frères et ses sœurs. Mais ça ne vaut pas la peine d'aller les déranger parce qu'eux-mêmes jonglent encore. Et il a croisé Longueur. C'est très important à comprendre parce que le chemin du destin, c'est le chemin de la vie. C'est-à-dire que c'est pour ça que je... C'est pas que j'aime vraiment Longueur, genre, j'étais Yamo, mon pote, Longueur et tout, mais je dis bien que c'est un bon troubadour.
C'est un bon. Même l'interview d'abord, vous avez l'interview de longueur, longueur. Le gars pose la question à l'enfant, il dit bien, ta mère, comment ton père? Le petit dit que mon père est mort, ma mère est morte. Il n'entend pas quand le petit a dit que la mère est morte, il faille. Il dit, okay, comment ta mère est morte? Il n'y a personne qui est bien placé. Longueur, longueur. Donc, elle dit que quand tu auras un grand frère qui est positionné comme moi, tu penses que, il n'y a personne qui est bien positionné dans ta famille qui peut t'aider. C'est le journaliste qui a les questions les plus perspicaces. C'est pour ça qu'il est tombé à la clinique. Et donc, quand tu peux, je vais t'envoyer 100 000, non? Oui, 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 il y a 100 000 là, tu donnes ça au petit, là, la part de la clinique. Tu entends, Lonkana? Quelqu'un va, dès que tu connectes cette vidéo, hein, longueur, longueur, sache que tu as 100 000 chouchous, hein, pour Fosso Félix. Il y a 100 000 chouchous pour Fosso Félix, ici à la clinique, propre. Il mérite des encouragements, il mérite d'être porté. Oui, 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 c'est comme ça que ça se passe. Hein? Là, c'était l'ambassadeur des causes sociales qui est encore parti sauver quelqu'un dehors. Ah oui, oui. Quand il marche, il dit que quand il attrape les gens, les miséreux, dans la... il attrape, donc parfois ça glisse, un malade arrive jusqu'à la clinique et il chope, donc. Enfin, un malade de longueur, longueur arrive, ça glisse jusqu'à la clinique. Voilà, le petit vient de chop 100 000 chochos. Il vient de chop 10 papiers, 10 Marianne Gombe. 100 000 chochos. Dès qu'on va connecter l'homme canal là, directement, le petit va se rappeler de cette marche. Restez sur le chemin de votre destin, les enfants. C'est la leçon. Restez sur le chemin de votre destin. Ne vous cachez pas. Ne jonglez pas, n'essayez pas de fuir. Affrontez la vie. Affrontez la vie. Levez-vous droit face aux obstacles de la vie. Les quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, personne ne peut faire de vous quelque chose de plus grand que vous-même. À part vous-même, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous donner le gum. Même si on te donne quoi, même si on te trouve un travail, même si on te fait quoi, si tu ne réussis pas à voir quelque chose par la force du travail, tu ne sens pas la profondeur de cette chose. Le petit va chop son sang encore le chouchou. Et je suis sûr que c'est même pas que la clinique qui va le porter. Je suis sûr qu'il y a plein de gens encore qui vont encore le porter. Ok? Ça aussi c'est bien à apprendre comme leçon. La famille appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent très tard le soir. C'était papa.